Bienvenue dans les grandes régions de l'Égypte. À l'époque antique, la plupart des Égyptiens vivaient près des berges du Nil et le pays était séparé en deux régions. La basse Égypte recouvrait le delta du Nil, près de la Méditerranée, tandis que la haute Égypte, en amont, s'étendait au sud vers le reste de l'Afrique. En raison de la proximité de la Méditerranée, les températures étaient moins marquées en basse Égypte qu'en haute Égypte. Jusqu'en l'an 3100 avant notre ère, époque de l'unification de l'Égypte, chaque région avait son pharaon et sa couronne. La couronne de Basse-Égypte était rouge et avait pour symbole le papyrus et l'abeille. La couronne de Haute-Égypte était blanche et portait pour symbole le lotus et le jonc. Les deux régions comptaient des villes en concurrence. En particulier, Memphis en Basse-Égypte et Thèbes en Haute-Égypte. Il existait des cultes variés dans les deux régions, chacune vénérant ses propres dieux majeurs. De nombreux temples furent conçus pour représenter les deux régions. Et les cérémonies intégraient souvent la Haute et la Basse Égypte dans leurs rites. Bienvenue dans le Nil, source de vie. Les anciens Égyptiens appelaient les régions fertiles bordant le Nil « terre noire », alors que le désert était surnommé « terre rouge ». L'important différentiel de productivité des sols entre ces deux types de terres a fortement influencé l'idéologie culturelle, la mythologie et la religion. Une large part de la civilisation égyptienne était définie par le Nil. Par exemple, le cycle des saisons du Nil était si constant que les Égyptiens en ont dérivé leur calendrier. La saison des crues, ou akhet, était celle durant laquelle le fleuve déposait ses liments. Elle était suivie des saisons de culture et de récolte, Peret et Shemou. La régularité de ces saisons, ainsi que l'abondance de gibier et la richesse des sols, assurait la subsistance des Égyptiens et la puissance commerciale du pays.
Le Nil, qui s'écoule du sud vers le nord, baignait de ses eaux limoneuses la Haute et la Basse Égypte. Toutes les grandes villes d'Égypte ont été bâties le long de cette étroite bande de vie. Protégées par des montagnes et des déserts formant des barrières naturelles et alimentées par les plantes et la vie sauvage du Nil, la civilisation égyptienne connut une prospérité économique et culturelle pendant plus de 4 millénaires. Dans leurs langues respectives, les Égyptiens comme les Grecs de l'Antiquité appelaient le Nil le fleuve. S'écoulant sur plus de 6700 km, le Nil est l'un des plus longs fleuves au monde. Il court du sud au nord et traverse le territoire de 11 pays actuels. Il prend sa source dans la région des Grands Lacs équatoriaux avec notamment l'un des plus vastes, le lac Victoria, situé à la jonction de l'Ouganda, du Kenya et de la Tanzanie. Il traverse des forêts équatoriales, des marais, des régions volcaniques, des steppes et des déserts, se scinde quelque temps et entraîne avec lui des sédiments de toutes ces régions qu'il dépose en Égypte. Son cours principal, appelé Nil Blanc, est rejoint par le Nil Bleu à Khartoum. C'est là qu'il incorpore de riches limons et nutriments qu'il emporte avec lui. Le Nil, du sud au nord, franchit 6 cataractes, qui sont autant d'obstacles naturels entre les diverses portions de son cours.
Les cataractes sont des zones assez longues, d'environ une centaine de kilomètres, où l'eau bouillonne et tourbillonne en flots tumultueux qui fusent entre des amas rocheux et des falaises. C'est au-delà de la Nubie et de la première cataracte que le fleuve rejoint officiellement l'Égypte, à Assouan. Il lui reste un millier de kilomètres à parcourir avant de rejoindre le Caire et le Delta. Tout au long de son périple, il apportera la vie sur ses berges avant de se jeter dans la Méditerranée. Dans l'Égypte ancienne, l'irrigation et l'emploi de l'eau reposaient largement sur le Nil. Mais il existait aussi des ruisseaux, des rivières et de grands lacs. Le delta, situé à l'extrémité nord du Nil, en Basse-Égypte, est une grande région humide où le cours du fleuve se scinde en multiples voies d'eau. Le delta comportait plusieurs grandes étendues d'eau saumâtre, séparées de la mer par de minces rubans de terre. Mélange de fonds aux profondeurs variées, de marais saumâtres et de plaines sableuses, ces lacs abritaient de nombreuses espèces animales et des variétés de plantes terrestres et aquatiques. On y trouvait aussi des détrousseurs et des bandits cachés dans les roseaux, attendant les voyageurs imprudents. Thank you.
Bienvenue dans les déserts égyptiens. De part et d'autre du Nil s'étendent le désert aride de l'ouest et le désert montagneux de l'est. Ces étendues recouvrent 94% du territoire de l'Égypte. Chacun de ces vastes déserts présente son propre microclimat et se décompose en déserts plus petits, à la flore et à la faune spécifiques. On a découvert des fossiles de baleines au fin fond du Sahara. Ce lieu, surnommé le cimetière des baleines, démontre que la région a jadis été une mer. Le désert blanc du nord-est du Sahara doit son nom à son sol calcaire, dont la teinte contraste avec le jaune du sable. Le vent a érodé les roches du désert blanc. Il en a fait des champignons de pierre, dont le plus célèbre est surnommé le doigt de Dieu. La Grande Mer de Sable est un désert que recouvre l'ouest de l'Égypte et l'est de la Libye. Il abrite une formation géologique unique appelée verre de silice de Libye. Ce minéral d'un jaune vert pâle se présente sous des tailles très variées, du petit caillou au rocher. Oui.